regard. Bien-aimé, beloved, le miracle que vous voyez là, miracle that you are seeing, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Complicated, it's not difficult. Vous pouvez devenir le producteur de miracles. You can become a producer of miracles. Dans la facilité. In a very easy manner. That's right. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Toutes choses ont été faites par la parole. Everything was made by the word. Et Jésus dit, and Jesus said, gardez mes paroles. Keep my words. Ah. Il veut te dire, he wants to tell you, garde la machine qui a créé le ciel et la terre. Keep the machine that created heaven and earth. Commencez par garder cette machine d'abord. Begin to keep this machine first of all. C'est la même chose quand vous achetez les appareils ou une voiture ou je ne sais quoi. It's the same thing when you buy a car, a machine. Même si vous ne savez pas comment l'utiliser, even you don't know how to use it, prenez soin de cette machine d'abord. Take care of this machine first of all. Amenez-la dans votre maison. Bring him in your house. Commencez par l'ouvrir. Begin to open it. Déballez la machine ou l'appareil. Open the machine. Mais faites très attention. But be very careful. Ne faites rien. Don't do nothing. Faut pas toucher la machine. Don't touch the machine yet. Cherche le petit livre qu'on appelle le manuel. Find the booklet that we call the manual. C'est manuel là. In this manual, vous trouverez la connaissance. You will find the knowledge. Comment utiliser l'appareil que vous venez d'acheter. Come on. How to use this machine that you just bought in the shop. Vous dites, j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. You say, I received Jesus Christ in my life like a Lord and Savior. Comme tout à l'heure. Like, je demanderai, qui veut recevoir Jésus? I will ask you, je suis sûr who want to receive Jesus Christ? Le recevoir. Who want to receive Jesus? Mais recevoir Jésus, receiving Jesus, c'est recevoir la parole. Is to receive the word. Il faut savoir garder la parole. You need to be able to keep the word. Et après, il faut savoir l'écouter. After you need to be able to listen. En l'écoutant, by listening, vous allez recevoir la connaissance de Jésus. You will receive the knowledge about Jesus. Après avoir reçu la connaissance de Jésus, after receiving the knowledge about Jesus, vous saurez alors marcher comme Jésus. Oh, you will be able to walk like Jesus himself. Thank you, Lord. Beautiful. Vous allez vraiment marcher sur les traces du Christ. You will walk upon the trace of Jesus Christ. Tout ce que Jésus a fait. Everything that Jesus did. Là, nous retournons dans Jean 14, verset 12. Now we are going back to John 14, verse 12. Celui qui croit en moi. The one that believed in me. Cela veut dire celui qui garde mes commandements. That means the one that will keep my commandment. Fera aussi les œuvres que je fais. He will also do the works I'm doing. C'est-à-dire, il marchera sur mes traces. I mean, he will walk upon my trace. Et il en fera de plus grandes. And he will do even greater. Oui, parce que je m'en vais au Père. Because I'm going to the Father. Hallelujah. Quelqu'un dit hallelujah. La parole. The words. Comme dit en Jean chapitre 16, like say in John chapter 16, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. He will guide you in all truth. La vérité égale lumière. Truth equal to light. Si vous êtes malade, if you are sick, la maladie égale ténèbres. Sickness equal to darkness. La parole vient dans votre vie. The word came in your life. Cette parole vous donnera. This word will give you. Ce que l'on appelle la connaissance. What we call knowledge. Ça, c'est la deuxième clé. That is the second key. Hallelujah. La connaissance ne viendra jamais. Knowledge will never come. Si tu ne gardes pas la parole. If you don't keep the commandment, that's clear. C'est pourquoi dans 1 Jean 2, 26, il dit. That's why in the first John. Vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. You don't need to be teach. Ce n'est pas dit que tu ne dois plus venir à l'église pour it's recevoir des enseignements. You don't need to come to church anymore. Mais tu n'as pas besoin d'un autre enseignement. But you don't need another teaching. Si ce n'est que l'enseignement que le Saint-Esprit donne. Only the one the Holy Spirit is giving you. Comment ça se passe? How this will happen?
Tu lis la Bible chez toi à la maison. You read the Bible at home. Tu ne comprends pas ce que tu lis. You don't understand what you are reading. Comme l'eunuque éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait. Like the eunuque Ethiopian did not understand what he was reading. Après avoir été au temple pour adorer à Jérusalem, being in the temple to il a worship, quitté le temple, il est rentré chez lui en Éthiopie. He left the temple, he was going to his il lisait Esaïe. He was reading Isaiah. Il ne comprenait pas Isaïe qui lisait. He couldn't understand this scripture. Or, il lisait Jésus. He was reading Jesus Christ. Isaïe parlait de Jésus. Isaiah was talking about Jesus, but he couldn't understand. Comme le Saint-Esprit because this Holy Spirit voulait qu'il comprenne. Wanted him to understand. Alors, il va prendre Philippe. He will take a Philip. Il amène Philippe dans sa charrette. He will bring Philip in his chariot. Philippe va lui poser la question. Philippe will ask him a question. Qu'est-ce que tu lis? What are you reading? Come on. Il dit, mais je lis Esaïe. He said, I'm reading the book of de Isaiah. Qui Esaïe parle? Who Isaiah is talking about? Alors Philippe commence à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Philip began to announcing the good news to this eunuque Ethiopian. Et ils ont fini par le baptême. And they finished by the baptism. Dit, si tu crois, because you believe, tu es baptisé, you are being baptized, et tu seras sauvé, and you will be saved. Come là, on. Il dit, mais il y a de l'eau là-bas. Pourquoi tu me baptises? He says, there is a water there. Why should we wait? Dit, ok, descendons. Now, come down. Ils sont descendus. They went. Il a été baptisé. And he was baptized. Philippe a disparu. Philip disappeared. Come voilà on. De quelle manière l'onction enseigne. See the which manner the anointing beaucoup teach. Beaucoup parmi vous, many among you, vous avez reçu cette parole que je suis en train de vous annoncer. You receive this word that I'm preaching about. Soit peut-être aujourd'hui ou hier. Maybe today or yesterday. Ou dans la semaine. Or in, during the week, il y a un mois passé, or 1 month ago, ou un an passé, 1 year ago, tu n'avais pas compris ce que tu lisais. You didn't understand what you were mais reading. Ce soir, but tonight, le Saint-Esprit vous parle à nouveau. The Holy Spirit is speaking ce you que tu again. Ne comprenais pas. What you could not understand. C'est comme ça que l'onction vous enseigne. Oh, tu peux acclamer mieux que ça. Tu peux acclamer mieux que ça. Si tu acclames, le sommeil te quitte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Is somebody understanding what I'm saying? Hallelujah. Donc les miracles que vous voyez là, the miracle that you are seeing, ne viennent pas parce que moi je suis spécial, non? Does not come because I'm special. J'ai pris des années et des années à avaler cette parole. I pray years and years swallowing this word. Et aujourd'hui je ne force plus. Today I don't force it again. Puisque j'ai avalé la parole. Because I've swallowed the word. Je viens, je prends la personne. I came, I take this person. Lève-toi. I say, rise up. Et marche. And walk. Quelqu'un, tu n'as pas acclamé. Marche, madame. Walk. Je lui dis de marcher, elle hésite. I say, walk, she says. Elle est venue avec son bâton de pouvoir. She came with a stick of power. Maintenant, on te dit, on te donne le pouvoir de marcher. And now they give you power to walk. Vous voyez? You see? Oh, acclame, 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 acclame. Madame, marche. Je te vois dans mon esprit en train de courir. I see you in my spirit running. Alléluia. La parole est sortie. Est-ce que moi j'ai forcé ou? Je ne fais que parler. Parler, 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 parler. Speaking, speaking, speaking. Après, speaking. C'est les miracles. Viens. Come. Plus tu marches, plus tu guéris. More plus you walk, marches, more you are healing. Guéris. Come on, come on, come on, come on. Somebody watch this. Life and direct, a miracle. Arrête-toi là. Somebody watch this. Ça fait combien de temps que tu n'as pas marché sans cette chose? How long you did not walk without this stick? Ça fait presque deux ans. Ça fait presque deux ans. Almost 2 years. Sans ça, tu marchais pas. Without this walking stick, you cannot walk. Tu as des douleurs partout. Je vois dans ton corps partout il y a des douleurs. I see in your body everywhere. Oh, tu n'as pas acclamé pour la prophétie. Partout. Dieu connaît ta situation. Dieu te connaît plus que tu te connais.
Mais il y a un phénomène qui se passe dans ton corps, madame. There's a phenomenon happening in your body. Tu perds l'usage de ton corps, de ta force. Mm-hmm. You are losing the strength of your body. Et tu perds la vue. Oui. And you tu look perds in your aussi sight. L'audition. Oui. You losing your tout. Hearing. Et pourtant, ce n'est pas l'âge. It is not the age. Parce que tu as quel âge? How old are you? J'ai presque 58 ans. Non. Je elle a oublié. Ouais. Elle a oublié son âge. C'est pas grave. On va l'aider quand même. C'est ta maman. She forgets her age. C'est ta grande sœur. Viens. It's her elder sister. C'est sa grande sœur. The elder sister. La grande sœur est encore jeune. Qu'elle, lui marche bien. C'est lui qui est plus vieux qu'elle marche bien. Il se mouve bien, oui, oui. Mais c'est ça que j'ai dit. Il va en chambre. That's what I'm saying. Ce n'est pas l'âge. The one that is older than her walk good. Si le, sa grande sœur ou son grand frère. Son grand frère. Si son grand frère, son il se porte très bien. Bien, il fait les champs, il fait tout, les plantations, tout. Mais pourquoi elle perd la force? The elder sister elle of perd her la vue, walk very elle good. Perd l'audition. And she's looking her sight, she's looking, losing her hearing and the strength mais in c'est her body. Pas pour rien que l'esprit t'a choisi. It's for, not for nothing that the spirit choose you. Est-ce qu'elle avait loupé? Elle avait fait un AVC. She went through la vue, stroke. Et puis, gloire à Dieu, elle marche encore. And glory be to God, she still walks. Je ne savais pas un jour que je peux encore marcher sans bâton. Tu ne savais pas qu'un jour tu peux encore marcher sans ça. Ouais. Donne une grande acclamation. I didn't know I would be able to walk without oh, Jésus. Mais c'est donné à vous tous. This one is given to all of you. Vous pouvez arriver à cela aussi. You can be able to arrive to si do this. Si seulement tu peux garder la parole. If only you can keep the word. La parole te donnera la connaissance. The word will give you knowledge. Cette connaissance-là. This knowledge. C'est ça la clé. That is the key. J'ai fini d'abord le travail ici dans le corps de cette dame. Let me finish the work in the body of Dieu this woman. Dieu est grand. Acclamons le Seigneur. Dieu est grand. Elle dit Dieu est grand. God is great. Je ne savais pas que je pouvais encore me tenir debout sans mon bâton. I didn't know that I could be able to stand without my walking stick. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Vous avez remarqué, elle est restée longtemps debout là. Pendant quelques minutes, elle est encore debout. She's standing now for a few minutes. Tu pouvais pas faire she ça. Could not non, do that before. Je pouvais pas faire ça. Oh, quelqu'un, tu n'as pas entendu ça. Put your hands together for the miracle. Si je n'ai pas mon bâton, if je I don't peux have pas my me stick, tenir debout. Amen. I cannot remain standing. Hallelujah. What a mighty God we Jésus serve. Jésus le roi des rois. Le Seigneur. Seigneur, oh Jésus, le roi des rois, oh Alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Seigneur de Seigneur, comment ne pas adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi de rois. Le Seigneur de Seigneurs. Jésus le roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois.
Father. Toi, tu étais guéri hier. You were healed yesterday. Aujourd'hui, je te vois danser. Oui, oui. Mais on m'a dit que toi, tu ne marchais pas. Je marchais pas. Hier, jusqu'à ce que tu viennes ici hier. Je ne marchais pas sans la béquille. Sans la béquille. Très longtemps. Même quand tu étais venu ici, tu marchais comme ça, tu étais courbé. Oui, parce que c'est l'hernie discale. C'est l'hernie discale. Oui. Et il paraît que tu as subi 3 opérations qui ont raté. J'ai subi une opération et 4 infiltrations. 4 infiltrations. Oui. Qui ont raté. Qui ont raté, qui n'ont pas donné d'effet. Et là, depuis hier. Ça va jusque parfois le pied tremble. Marche. Regardez comme elle est fière. Ah! Alléluia. C'est comme si elle avait 15 ans, quoi. It's like she was 15 years. Je vois même sa jeunesse maintenant. I see her youth right now. Regardez-moi ça. Comment ne pas adorer Jésus? Comment ne pas adorer Jésus? Tu es guéri pour toujours. Donne une grande acclamation à Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Salut, cette dame a été guérie de la schizophrénie. Dis à ton prochain la connaissance. Dis encore la connaissance. Somebody say knowledge. Lis-moi un peu Daniel. Non. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Commence au verset 1. Begin from verse 1. Qu'est-ce qu'il dit? What did he say? Elle va lire. Verset 1. Proverbe chapitre 2 verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive, à la sagesse, et si tu inclines ton cœur, si tu peux incliner ton cœur à l'intelligence. Ah! Vous autres, vous avez incliné vos cœurs aux hommes et aux femmes. To men and the women. Tu es là, là, là. You are here. Tu écoutes la parole. You are listening to the word. Mais ton cœur pense à Jean. But your heart is thinking about John. Oh Jean. Oh John. Il est où à cette heure-ci? Oh, where is he this time around? S'il me trompe vraiment. If he cheat on me, really. Incline ton cœur à la sagesse de Dieu. Give your heart to the wisdom of God. Continuons. Si tu la cherches comme l'argent. Vous autres, vous pensez comment je vais aller chercher l'argent demain? You think how you're gonna find the money alors tomorrow? Alors qu'on est dimanche. But we are Sunday. Mais repose-toi un peu. Have rest a little bit. Tu travailles tellement trop. You work so much. Au moins le dimanche, donne ça à Dieu. Sunday, give it to God. Mais tu penses encore aller travailler le dimanche? You're thinking to go to work on Sunday. Commence à chercher Dieu comme tu cherches l'argent. Begin to look after God like you look after money. Et tu comprendras. And then you will understand. Come on. Si tu la poursuis comme un trésor. Oh my God. Il y a des gens qui poursuivent la parole. Some people pursue the word. Comme on poursuit un trésor. Like we pursue a treasure. Et ces gens-là marchent avec les miracles.
And those people work with the miracle. Ils ne cherchent jamais les miracles. They don't look after miracle. C'est lui qui a la parole. The one that carry the word of God. C'est lui qui poursuit la connaissance. The one that pursue the knowledge. C'est lui qui poursuit la sagesse. Pursuit wisdom. Comme on poursuit l'argent. Like we pursue money. Une telle personne ne cherchera jamais les miracles. Will never look after miracles. Parce que la Bible nous dit. Because the Bible says. Voici les miracles qui accompagneront. The Bible says, seek the miracle that will follow you. Ceux qui auront cru. We follow those that will believe. That's right. That's right. Tu vois, tu as le sourire maintenant. You see, you have the smile right now. Lève-toi. Lève-toi, petit. Stand up. Hallelujah. Tu ne mourras plus. You will not die. Il est le même Jésus. Oh, il est le même Jésus. Ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Tu souffrais de quoi? Moi, j'avais mal au ventre. Mal au ventre. Mon petit frère, il est malade depuis plus de 20 ans de maladie. 20 ans de maladie. On ne sait pas de quoi il souffre. On ne sait pas de quoi il souffre. We don't know what is he suffering from. C'est la sorcellerie, ça. It's a witchcraft. À dater d'aujourd'hui, cette maladie est. Jesus name. Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Lift up your head to heaven.
Je vais faire les services de guérison et de miracles maintenant même. Oh, quelqu'un, tu n'as pas dit amen. I will perform the service of miracle and healing right now. Parce que je vois quelqu'un guérir d'un cancer foudroyant. I'm seeing somebody being healed of a severe cancer. Hallelujah. Je vois cette personne à l'espace de peu de temps. I'm seeing this person in a few times. Cette personne a été diagnostiquée. He has been diagnosed. Et le médecin lui dit que c'est fini pour elle. And the doctor said it's over for him. Cet cancer this a cancer été diagnostiqué il n'y a pas longtemps. I've been diagnosed not long Mais ago. À l'espace de peu de temps, in a few times, cette personne est en train de mourir. This person is dying. Levez les mains seulement. Levez les mains. Lift up your hands. Lève les mains. Lift up your hands. Quelqu'un dit Jésus. Somebody say Jesus Christ. Je t'invoque. I invoke you. Car la Bible dit. Because the Bible says. Celui qui invoquera le nom de Jésus. The one that will invoke the name of Jesus Christ. Celui qui invoquera le nom de Jésus. The one that will invoke the name of Jesus Christ. Sera sauvé. He will be saved. Je t'invoque. I invoke you. Fils de David. Son of David. Fils de Dieu. Son of God. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Guéris-moi. Heal me. Délivre-moi. Deliver me. Jésus. Jesus. Comme Bartimée. As a Bartimaeus. T'as invoqué. Invoke you. Moi aussi. Me also. Je t'invoque. I invoke you. Ne me passe pas à côté. Don't pass me by. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Sauve-moi. Save me. Guéris-moi. Heal me. Délivre-moi. Deliver me. Au nom de Jésus. In Jesus' name. 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 Somebody. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Recevez la puissance de Dieu. Recevez cette grâce. Reçois 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 cette grâce. Oh my God. My God. My God. My God. Take it. Take it. Dans le nom de Jésus. Take it. Take it. Take it. Il y a le vent qui souffle. Il y a le vent qui souffle. Reçois la grâce, frère. Reçois la grâce. Take it. Oh my God. Brisez le chien. Brisez le chien. Reçois la grâce. Reçois, frère. Oh Jésus, brise. Baba,
Jesus, touch my life. Jésus touche quelqu'un. Jesus is touching somebody. Il touche quelqu'un. He's touching somebody. Il touche quelqu'un là derrière. Il touche quelqu'un là-bas derrière. He's touching somebody. Il touche quelqu'un. He's touching somebody. Il touche quelqu'un. He's touching somebody. La gloire de Dieu descend sur quelqu'un. Reçois cette grâce. Receive the grace. 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 Merci Seigneur. Thank you Lord. Il y a la gloire de Dieu dans la salle. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. There's the power of God in this room. Quelqu'un est visité maintenant. Somebody has been visited. Quelqu'un est visité maintenant. Somebody you have visited. Amène-moi cette femme là. Amène-la-moi. Come on. Racha katarabo koche kete tete. Passez blesse. Travaille, passez blesse. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Protégez-la. Continue. Quelqu'un prie. Somebody pray. Quelqu'un prie. Quelqu'un ne soit pas dans la distraction. Prie. Ordonne à la maladie qui est dans ton corps de quitter. Command the sickness to leave your body. Commande à cette maladie de quitter. Command the sickness to leave your body. Commande à cette maladie de quitter. La mort quitte le corps de quelqu'un. Death leave your body. La mort quitte le corps de quelqu'un. Death, leave your body. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. La mort quitte le corps de quelqu'un. Death, leave the body of somebody. J'ordonne à la mort de quitter le corps de quelqu'un. In the name of Jesus. La mort quitte le corps. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. La mort quitte le corps. Death, leave the body. La mort quitte ta maison. Death, leave the body. In the name of Jesus. Death, leave the body. Bravo, Yashatatata. Esprit de mort. Spirit of death. Come on. Go. Yab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 a. Yabababababababa. Yabababababababa. Yabababababa. Yabababababa. Continue à prier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. La mort quitte le corps. Death leave the body. Le maladie quitte le corps. Sickness leave the body. Le démon quitte le corps. Demons leave your body. J'ordonne à tout serpent de quitter le corps. I command snake to leave your body. Maintenant. Now.
Seigneur. Donne une grande acclamation à Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Plus il va acclamer, plus il va proclamer ta guérison. More you will clap, more you will proclaim your healing. Plus tu acclames, plus tu vois ta délivrance. More you clap your hand, more you see your deliverance. Plus tu acclames, more you clap. Asseyons-nous, Lord. Asseyons-nous, prenons place. You may have your seat. Regardez, il y a beaucoup de miracles ici. Look, there are a lot of miracles here. Il y a une femme qui était assise là-bas qui avait la béquille et le mou. There was a woman sitting down there that had a walking stick. Elle était tombée quelque part ici, elle est où? And she fell somewhere here. Where is she? Où est cette femme? Where is this woman? Madame. Tu marchais pas sans béquille. Woman, you could not walk without a walking stick. Ça fait combien de temps? How long have this been going on? Depuis mois de juin. 2019. Oui. Jusqu'à maintenant. 2019. Maintenant, je commence à sentir bien. Marche alors. Now I begin to feel good after prayer. Walk. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Instant miracle. Glory be to God. Acclamez, acclamez Jésus, regardez comment il marche. You can do it better. Oh, do it like you mean it. Il y a beaucoup de miracles ici. There is a lot of miracle here. Il y a vraiment des miracles extraordinaires. There are really